Des hurlements témoignent à suffisance le désarroi de cette famille à Melon, dans le département du Mungo, région du littoral. Le corps sans vie d'un des leurs vient d'être retrouvé dans cette plantation par un cultivateur au lieu dit quartier Nancy. Le voisin qui nous a alerté et ayant fait une descente sur les lieux, nous l'avons cherché aux environs et nous n'avons pas su qu'il pouvait se retrouver ici. Le voisin l'a vu et l'a crié. Voici le corps que le dépouilleur du champ. Que voici ça. Dès que nous venons sur le lieu, on constate vraiment que le chapeau, c'est vraiment le chapeau qu'il avait. Jean Lambou est porté disparu depuis environ 4 mois maintenant et avait quelques soucis de santé. On a retrouvé le corps de notre défunt papa que depuis 3 mois, jour pour jour, on cherche. Et vraiment, je profite pour dire à toute la famille du quartier Pont et des Melons que nous avons enfin retrouvé le corps de notre papa. Et ce matin, une grande forte délégation m'a trouvé chez moi. Nous sommes descendus avec la forte délégation et les femmes, les hommes du quartier et tout, et la famille. On s'est mis à fouiller, Dieu merci, on est arrivé sur le compte de ce papa. Les éléments de la brigade de gendarmerie de Melon, descendus sur les lieux, une enquête a été ouverte pour déterminer les mobiles de cette mort qui alimente déjà la controverse dans la ville de Melon.